Salut tout le monde, salut Kalamandris. Tu as fini le Temple du Feu, maintenant si tu as ce qui te semble être la quête finale, félicitations, trop cool. Bah écoute, nous on va s'y remettre, j'ai un peu avancé mais tu vas m'aider parce que je suis sur d'autres trucs, j'ai pas réalisé ce qu'il fallait faire donc j'étais peut-être un peu à côté. C'est un petit peu le foutoir là le bureau comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup eu de temps cette semaine. Et là tu vois, j'ai juste eu le temps de plier le PC, j'ai dû faire du rab avec le boulot, là, je suis sur la couverture, comme d'habitude, c'est critique, c'est la caca, c'est la cata, donc mais heureusement, je suis en télétravail, donc j'ai pu me connecter directement. Donc prochain projet, bon, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau cette semaine? J'ai remanché la Dreamcast parce qu'il y a eu une nouvelle traduction qui est sortie, qui est un jeu sur Nakululu, un visual aventure sur Dreamcast de Nakululu, complètement traduit en anglais, ça c'est plutôt cool. Bah vas-y, va faire pipi. Donc j'ai installé ça sur la Dreamcast via mon ODE. Je l'ai testé vraiment rapidement l'autre soir. Puis j'ai toujours ma Game Boy et le Game Boy Printer à bricoler. Donc voilà, c'est un petit peu le foutoir là en plein milieu. Mais voilà, j'ai reçu mon nouveau boîtier en espérant que ça fonctionne beaucoup mieux. J'ai reçu mon nouveau boîtier il y a quelques heures. Il est branché. On va tester, voilà, j'ai juste configuré, on va voir si tout fonctionne bien. Voilà, on va basculer, on va allumer la Switch. Non, c'est bon, vas-y, on va basculer sur l'image de ce truc et on va allumer la Switch. Allumer la manette. Ça fonctionne, elle le détecte directement. On va éteindre cette lumière-là, voilà, et on va allumer celle-là. J'ai pas le son par contre de mes oreilles, je vais mettre un écoute. La lumière, elle est là. La lumière est là. Alors, il faut juste que je me mette en écoute. Il est où? Vermedia Mini. Non, c'est pas ça, pas couper le son. Propriété. Non, c'est pas ça. Vers média midi, il faut que je me le mette en monitoring et sorti normalement. Et là, et ça fonctionne. Ok. Et on va couper la musique. C'était paisible, mais on va retourner en Hyrule. Ah oui, j'ai oublié de me mettre ma fenêtre. Voilà. Bon, bah écoute, ça a l'air de tourner. Hein. Donc ouais, j'ai changé mon armure. Et on est de retour là. Donc il faut que je retourne en bas pour chercher donc la statue du démon. On dit qu'il y a une statue de démon pas loin. Donc il est cool ce petit... Alors par contre, on va lui enlever le casque. Hein. Ouais. Donc elle entendait là, donc je suis allé ici. Et j'ai foncé dans le sous-sol. Je me suis fait la tenue, tout un tas de trucs. Il y avait la tenue, il y avait un boss. J'ai tourné là. Ah, je suis allé trop loin. Top, tu me dis. Je bouge plus. Alors, juste après la grille... Ah, ok. J'avais tracé, je ne l'avais pas vu du tout. Ok. Donc elle va me prendre un cœur, c'est ça, comme tu me disais.
Tu arrives à m'entendre? Oui. C'est inattendu. Tu es venu ici prier pour quoi? Vivre plus longtemps possible, devenir riche? Un classique celui-là. Quoi qu'il en soit, tu as frappé à la bonne statue. Autrefois, j'étais un dieu qui réagissait... qui régissait la vie et la force. J'ai changé de la vie contre de l'argent, mais les déesses, la déesse Lilial l'a découvert et m'a donné cette apparence de statue. Ok. Cela fait déjà bien longtemps et depuis, je suis condamné à regarder le temps passer sans pouvoir bouger. Au début, je m'en sortais encore pas mal, j'étais la statue du diable qui trônait dans la rue les plus animées du village. Mais la déesse, n'a pas trop apprécié et m'a exilé sur la route secondaire, puis dans une vague ruelle. J'ai fini en bordure du village, recouvert de fientes d'oiseaux, et après on m'a installé la tête en bas, au plafond d'une grotte. Ok, elle est tombée. Mais avant, elle n'était pas dans le village à Télémite, derrière les moulins? Dernièrement, on m'a même expédié au fond d'une mare et au milieu des poissons. Quand on m'a sorti de là, je suis retourné ici. T'as déjà vu pire endroit. Ouais, on raconte sa vie. Hein. Que dalle! Ah ouais, c'est bien traduit. Hein. J'ai pris mon mal en patience en attendant. J'attendais le moment qui me donnait minimum à entendre. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai un tournage la semaine prochaine. Bon, passons aux choses sérieuses. Ne bouge pas, laisse faire les pros. Hop. Mais non. Il imite, un truc comme ça, ouais. Je mets pas toi-même, vise un peu le boulot. J'ai prélevé ce réceptacle sans laisser la moindre trace. Et on va lui reparler. Rends-le-moi. Tu croyais que je t'avais tarnaqué, c'est ça? Non, je veux un cœur. Laisse-moi le cœur. Ça marche, bouge pas. Whip. Ah, hop. C'est bon. Et Carcaille. Non, je trouve que c'était limite, c'était en tout du laboratoire, il me semble. Et pareil, alors, tu pourras... Ah voilà, ok, du coup j'ai fait la mission. Ah, c'est énorme. Alors, on va finir ça. Ah, 20 rubis. Et ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire le prochain géoglyphe. Est-ce que tu as vu la bestiole sous les... La bestiole sous les cerisiers, par exemple? J'ai fait ça par hasard. Et est-ce que tu as vu l'usine dont je t'avais parlé également? Qui se trouve ici. Qui se trouve... ouais, par là, en sous-sol. Et 15 secondes d'avance. Et moi j'avais dit que je voulais aller là, je crois, pour le truc des... J'ai 2-3 trucs de... Comment dire. J'ai 2-3 trucs de puits à faire. Bah t'as, il y a un puits là aussi à faire. Je l'ai pas vu celui-là de puits. Alors. Ça fait un puits en plus. Ah, j'ai pas visité ça. Alors, les bestioles, je l'ai vu, mais l'usine, ça me parle pas. Pourtant, j'ai... Alors attends, je vais... On va y aller. On va y aller, je vais te montrer. Juste finir cette grotte là, voir s'il y a un truc à récupérer. En effet, il y a un petit coffre.
Alors, est-ce que j'ai un truc à récupérer qui pourrait être plus intéressant que l'espadon royal? Oui, en effet. Échanger. Alors, on va aller, on va se téléporter, on va aller au sous-sol. Attends, hop. Donc c'est par là. Il me l'a pas trouvé? Alors, attends. Donc c'était là. On va mettre là, on va mettre... Eh merde. On va mettre un repère. Et on va y aller. Et on va se téléporter là. Je sais pas ce qu'il faut y faire et je voudrais voir pour aussi pour augmenter les batteries. Et je sais plus comment faire ça. Ah oui, c'est des... Oui, oui, c'est ça. D'accord, ah bah écoute, tant mieux, je vais te montrer vite fait, tu vois. C'est de monter un peu, on va planer. Allez, on y va. Hop là, loupé. Alors normalement je vais dans la bonne direction. Ouais, je vais dans la bonne direction. Juste prendre un peu d'élan. Il y a plein de spectres à récupérer. Direction, je ne vais pas. J'ai un peu fait un détour. Alors. Alors, on va mettre un peu de graines. Elles sont où les graines Lumos? Quelques petits spectres. J'ai eu la carte, je l'ai récupéré assez pour lui demander la carte là. Oula, vas-y Bartata. Ouais, ça s'occupe toi-en. Mettre un petit peu de lumière là quand même. Hein. C'est sombre, non? Je me demande quelle durée de vie ont les graines Lumos. Je suis toujours dans la bonne direction, je ne vais plus dans la bonne direction. Ouais, c'est pas vers ça ici, on économise, hein.
envoyer du peuple là-bas. Tu vois, il y a une graine, il y a une truc, ça m'avait pas sauvegardé. Ah ok, c'est le truc qui les bouffe. C'est bizarre, je me semblais que je l'avais débloqué là. Attends. Par où je passe là? Attends. On va aller là-bas. Oula, on lui fout la paix à lui. On va faire un petit véhicule. Même si je trouve que le. Putain, le gameplay des véhicules, il est. Il est ardu. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Putain, c'est pas ouf, hein. C'était bien utile tout ça. Vas-y, barrez-vous de là, vous. Par là. On va prendre une arme un peu, une véritable arme, ça pourrait être pas mal, non? Alors. J'avais pas débloqué la lumière par là. Ah, parce que, alors, attends. Au niveau de la carte, je suis où? Parce que c'est là où j'étais. Est-ce que j'ai débloqué une... Attends, je vais essayer de me téléporter là. Peut-être là. Statue, un campement. Non. Abîme.
Tu crois que je suis paumé? Tu crois que je suis paumé? Ça pourrait être ça. Usine de golem. C'est là. C'est là, c'est là. J'étais complètement à l'ouest, hein. Complètement à l'ouest. Et nous voilà à l'usine de golem avec ce bâtiment-là. Et en plus c'est écrit, ouais. Alors. Tu vois, t'as quand même musique et tout, bâtiment avec. Bien sûr, alors. Alors attends, je vais... C'est là. D'ailleurs, en parlant de bâtiment, je vais faire le géoglyphe là. Donc après, je vais aller... hop, je vais vous sortir ta carte. Tu me dis quand c'est ok, hein. Oui, ou le 5. Putain, le 5 il est tout à gauche, ok. Il est chez Gerudo. Tu me dis quand c'est ok pour la carte. C'est bon, merci. Ok. Et tu vois, il y a ce truc là, et je sais pas ce qu'il faut y faire. Enfin, je pense qu'il faut y coller des parts, j'imagine qu'il y a des parts manquantes. Des parties manquantes, il va falloir venir les coller peut-être. Mais pour l'instant, je ne sais point. Et t'as ce bâtiment là. Et alors par contre, donc on va aller vers là. Alors, on va aller... On montait un peu en haut du bâtiment. Ah. Hop. Dans mon inventaire, ouais. Attends. Ouais, dans mon inventaire. Dans les objets spéciaux, ouais. Batterie, ça c'est à moi. Ah! Le graveur d'assemblage? Attends, et si je fais... Ça? Non, je peux pas utiliser. Ouais. Et ce que je te disais aussi, c'est... Attends, on va remonter. Ça va le chat. On disait donc, je voulais aller... Là, il y a une queue de dragon, là. J'ai l'impression, non, c'est une racine. Hop, je voulais aller vers là. Tu vois, il y a un gros squelette.
Alors. Ouais, ça, c'est juste après. Donc, c'est juste après le fossé. On va aller par là. Gros squelette. Bien costaud. Et un... ah, ça commence à gronder dehors. Hop là. Ah d'accord, ok. Je savais pas, tu vois. Je les ai pas vus. Alors, attends, j'ai débloqué. Oh, j'ai débloqué celle-là. Oui, j'ai débloqué ça. Et là, pareil, tu vois, il y a encore des grosses ruines. Et je sais pas ce que c'est parce qu'en fait, il y a un trésor. J'ai pas trouvé ce que c'était. Alors, attends. On va le buter lui. Alors, attends, hop. Aïe. Ah, ça gronde bien dehors. Une grosse 100, un peu plus 36, ça c'est une peu mal. Ah merde. Là, c'est gentil. Alors. Non, on s'en fout de vos gueules à vous. Allez, barrez où. Et alors, juste là. Alors, attends. Là, hein. Ah mais j'y étais pas du tout en fait. J'y étais pas du tout. C'est pour ça que j'arrivais pas à trouver. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, non, mais tu devrais, il y a plein de trucs. Et tu vois, ces bâtiments là, ils sont... ils sont trop cool. T'as plein de... enfin t'as là, t'as des ruines pas dégueu. Il y a très certainement plein de choses planquées là-dessous. Mais pour l'instant, on va aller se faire le géoglyphe. Donc on est là, on va se téléporter vers là. Et on va aller se faire le géoglyphe aujourd'hui. Je vais fermer les fenêtres, laissez-moi juste un instant pour éviter que l'eau rentre à l'intérieur. Numéro 5. Il est en train de tomber. Il est en train de tomber. Alors, géoglyphe numéro 5. Il est... hop. Alors. La rivière qui remonte comme ça, il est vers là. Voilà, on va le mettre par là pour l'instant. Il faut que j'aille... non, je suis pas là. Ouais, c'est ça, ok. Ah. Ah, merci pour la map. Souvent il y a des trucs dans des arbres comme ça, dans les gros arbres. Non, c'est pas.
pas. On va te prendre de l'élan. Donc, j'ai débloqué le détecteur. En fait, j'essaie de faire tout ce qui est pas utile, entre guillemets, tout ce qui est un peu hors scénario, offline, pour pouvoir en profiter du reste avec vous. Une carte interactive que j'utilise, tu crées un compte, tu peux sauvegarder. Ah, ok. Oh putain, un ours. C'est pas grave, c'est vrai que je peux le chevaucher, ouais. Attends, ça pleut tant que ça? Ça pleut à torrent. J'avais l'impression d'avoir une la douche qui coule, quoi. Bon, comment s'est passée ta semaine, toi? Bon, t'as vu, j'ai rien eu à faire le boîtier, je l'ai installé. Et il a démarré direct, donc écoute... c'est cool parce que je le voyais plus gros que ça. Après, quoi, 1080p, 30 fps, c'est amplement suffisant. De toute façon, je stream pas plus que du 1080p, je suis même en 720p. Écoute, j'ai joué. Ok. On avance un peu de ce côté-là. C'est dur de rester objectif sur ce que tu fais. T'as tellement de trucs qui pourraient dire « Ah, ça a l'air trop bien !» Il y a un puits, il y a un trou, j'y vais. Et encore, il y a des coins. Tu vois, je suis passé à côté de Cocorico, je me suis même pas arrêté pour l'instant. Comme le truc quoi, les cerisiers, ça a fait apparaître plein de choses sur la carte, plein d'endroits sur la carte, et je sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Et j'en ai loupé un par contre, j'en ai loupé un près des limites, ce cerisier, j'irai le faire un peu plus tard. Ah bah tiens, il y en a un en bas, on va se le faire après. Alors, est-ce que tu vois un géoglyphe? Ouais, je pense que je suis un peu... Je pense que... Je pense que je suis un peu un peu trop bas. Ah, il y en a... Ouais, il est plus bas. On verra après. Il y a un feu, je vois pas de sanctuaire pour l'instant. Attends. Attends, sur... Il y en a... Ah ouais, ok, je le vois. Il est... Ah ! Il est en bas.
Alors. Est-ce que... je pourrais m'en rapprocher, je pense. Hein. En tout cas, la tour, je la ferai après. En plus on prendra de la hauteur, en plus on aura la vision sur ce qu'on pourrait voir en géoglyphe. Quoi que me dira, je pourrais le faire via la tour. Là, on va débloquer la tour. Je vois rien pour l'instant. Alors. Ah, il fait trop chaud pour moi. Me foutre un peu à poil. Ouais. Alors. T'as j'ai débloqué ça. Et on va se... voilà. Déjà, on va faire ça, on va faire le... Il y a un caillou. Alors, attends. Alors... il faut faire un feu de camp et faire une pause. Ouais, ça va le faire. Je suis à l'ombre. Ah, bah... c'est pas assez lourd. Qu'une caisse, je vais mettre deux caisses et je vais mettre et je vais lui dire, je vais lui parler en étant dessus. Est-ce que ça marche comme ça? Ah tiens. C'est casse-gueule, mais ça tient. Allez, c'est bon. Et donc on va faire le truc des... alors. Et re-salue le chat. Ça va le chat? Tu veux faire un câlin, c'est ça? Oui. Allez, viens faire un câlin. Un rubis. Ouais, boîte de riz. C'est l'heure de pétrir le pain. Alors. Là, si je me mets là. Normalement, t'as... voilà, déjà, t'as une carotte là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pomme. Mais oui.
Alors, une pomme. J'en ai plein. J'ai une pomme. Voilà. Et ça me fait apparaître plein de trucs. Je sais pas ce que c'est tous ces trucs là. Salut papy, comment ça va? J'étais en lurk, mais j'étais en train de bosser. Comment ça se passe? Ah, tiens, le PC s'est éteint. Comment ça se passe sur Paladin, c'est ça? La tour. Ok. Ah, y a un petit souci là. Pourquoi elle fonctionne pas? Ne fonctionne pas. Il y a des bestioles là-bas. Ouais, voir le truc qui brille là-bas. Un truc qui brille par là. Ah, c'est des entrées vers des passages secrets, j'ai l'impression, ou des grottes. Un truc, il faut que je me fasse à bouffer moi. Ah merde.
Ouais. Un lézard, un arc lézard, ok. Alors, est-ce que j'ai une masse? Ouais, j'ai de quoi péter des cailloux. C'est quoi la bestiole qui gueule là? Dans l'eau, ma vie. Ah. Ah, shit. Qu'est-ce que j'ai qui peut faire mal là? Ça, c'est pas mal, douze. Ouais, bim. Ah, bouclier soleil, c'est pas mal ça. Au revoir monsieur bouclier tout pourri. Ça a l'air d'être un cul-de-sac, hein. Bon, allez. Retourner en haut de la colline. Et on va se couvrir un peu. Il fait froid. Ouais. Oh putain. Fous-moi la paix, toi. T'as vu? Merci! Alors. Ah. Hop! Forcément, j'ai pas le bon pouvoir. C'est sale de s'introduire comme ça dans les... Ah. Ok, bon, ça marche pas tous les coups. Hein. Il m'a buté tous les quarts d'un coup comme ça. Pourquoi pas, on va aller se le faire plus tard. Hein. One shot. Alors...
Ouais. Bon, on va essayer de s'occuper de la tour. J'ai un peu des armes pourries, hein, faut dire. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce que si... je te mets une pomme, ça te plaît? Ou une grenouille? Parce que j'ai pas une grenouille à mettre. Une petite grenouille tempo là, regarde. C'est vrai. Si je te mets un cœur, une pomme. Des bananes. Ok. C'est le truc des Yiga, d'accord. Salut Jonah, comment ça va? Ça fait rien. Hein. Bon. Ah, bah il est là le géoglyphe. On va essayer de réparer la tour. Ah, elle marche que la nuit la tour? Peut-être qu'il est trop chaud pour qu'elle fonctionne? Fonctionne pas. Petite devinette. Pourquoi elle fonctionne pas cette saleté de tour? Pourquoi elle ne fonctionne pas? Et tout en bas, ok. Monsieur là? Un panne, justement pour la réparer. Ah. Alors. Ah bah voilà. Alors, quel est le point faible de votre instrument préféré, Hob? Je ne sais pas. Merde, c'est ça que je veux faire. Il a fait que ça alternative. Attends, ça c'est lourd ça, non? Reviens là. Bien. Désolé. Désolé en bas. Ah.
Ah. T'as raison. Ok. Et voilà. Allez, Jean-Michel, va réparer. J'aurais dit que aussi je suis plutôt du matin parce que je suis de l'aube. Je sais même plus mon truc de blague. Je t'en mets une aussi pour toi. Ah, ah cool, il y a des trucs. Ah ouais, c'est bon. Allez. Nouveau géolithe. Bon, par contre, j'ai pas les tenues nécessaires pour la chaleur, donc on va se barrer de chez les Gerudo. Il y a un dragon qui est en train de passer. Ouais, pour ça c'est la nuit, ouais. Je serai à l'auberge du poulet fringant du 28 au 36. Quartier du ciel. Oh, le coucher de soleil, c'est assez classe là. Alors. On va aller vers là. Regardez-moi ce... Ah, ce coucher de soleil là, c'est beau. Croyez en Top Gun. Ok. Alors. Hop là. On va aller vers où là? Non, allez. Vas-y. Et ben voilà. Et je suis accroché. Le sanctuaire qui va bien. Et après on sort le géoglyphe, promis.
Il est déjà 6h. Maintenant, ça fait qu'une heure qu'on joue, vu que bah, j'ai pris une heure de retard avec le boulot. Un Guantanamo, j'ai pas vu. Question de réflexion. Ouais. Ok. Ah, on est chez les Gerudo, il y a des trucs de réflexion comme dans Ocarina of Time, hein, ça. Parce qu'on avait le bouclier miroir dans Ocarina of Time à l'époque. L'incliner ou comment ça se passe? Alors. Ah ouais, ok. Passe. Il y a plein de trucs. Ah, peut-être il faut, ok. Alors. Ok. Il va falloir un truc, faire un truc avec plein de miroirs.
Non. Alors si... J'en ai pris un là. Oh, j'ai pas vu qu'il y a du monde là. Ok. J'avais pas vu. Regardez, comme ça. Ah, attends, si je fais ça, je m'embête pour rien en fait. Je m'embête pour rien. Si, alors attends, si je prends mon bouclier miroir. J'ai pas pris un bouclier miroir ? Joli là. Ah voilà. Bon. Ok, ça c'est fait. Tac. Je pense que si je le pose là, c'est ok. Comme ça, ok. Ça va marcher aussi. Allez.
Allez, c'est bon, c'est parti. Géoglyphe, juste après ça. Non, ce sera temps d'aller faire, je pense, une endurance, non? Qu'est-ce que t'en penses? Donc, vendredi prochain, il n'y aura pas de live parce que je suis en tournage. C'est mon premier tournage en anglais, je suis trop content. Ok. Là, il y a des trucs là. Un gachapon. Ouais, c'est où pour faire le... Où est-ce que c'est pour faire les batteries supplémentaires? Du miroir, du clou, ok. Ah, par contre, le glisseur, si tu le mets bouclier, ça te fait un skate. Pieux. Oh, du lance-laser, c'est cool ça. Alors, on va aller d'abord sur cette île-là. Par là. Et ben il n'y a pas grand chose à part des pommes. Ok. Choisi bien, bien pauvrement, comme dirait le vieux sage dans Indiana Jones. Allez, fais-le, ça va, ça passe. Ok. Autre choix vers là. D'accord. On poit à la droite. Je sens le boss en bas. C'est parce qu'il y a un boss en bas. Et il y a un temps. Oh, il y a de l'huile là. C'est bon, tout va bien, j'ai pas mal. Qu'est-ce qu'on a par là?
vers un autre sanctuaire. Il s'est barré ? Ah mais j'ai déjà fait ce truc là. Oh merde, tu es retourné si loin que ça. Ah shit. On va retourner là-bas. Tourne vers là-bas. Oh, j'ai oublié ça. Vas-y, approche-toi. Ah, trop bas. Voilà. Coucou. Ah, on est passé. Allez, direction celui-ci, on y va, promis au géoglyphe. Je me fais distraire trop facilement en fait. Non, regarde ça. Ah oui, finalement, je suis parti. On reviendra plus tard, oui. Monsieur qui se pèle les fesses là. Tiens, piment. Je suis vraiment un mec à la cool quand même. Ok, parti. D'habitude, c'est le genre de truc où c'est un Iga, ça. L'avantage, c'est que comme j'ai pas fait le jeu depuis, depuis Breath of the Wild, j'ai carrément oublié un peu, comment dire, bah, la map. Bim. Merci pour les flèches. Ben va jouer. Tu as joué quoi, Red Dead? Ouais, il y a un courroux pas loin. Mais j'ai pas envie. Elle est pas plus grande dans celui-là? De quoi qui est plus grand?
La carte ? C'est la même carte. Mais alors oui, elle est plus grande dans le sens où il y a les souterrains et les cieux. Et elle a une plus grande verticalité, comme dirait... Ah putain, ça va pas garder ça ? Ouais, mais bon, ça fait 6 ans en plus, donc... il y a vraiment des coins que je me rappelle, mais il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Je suis presque. Allez, c'est parti. Ouf. Ah. C'était pas là, toi? Ah, c'est le peintre, ça. Je me pose là, mais je reste un temps à... Je peins, je parcours le monde en quête de beaux paysages. Mon cœur s'émeut, tout particulièrement à la vue de l'île volante qui se rapporte récemment dans notre ciel. Dans ma vie, j'en ai peint des paysages, mais peu m'ont autant intrigué que cette petite île qui vole au loin. Qui donc a pu la faire flotter? En tout cas, je trouve sa forme captivante et d'autant plus facile à peindre. Tu devrais aller observer quand le soleil sera levé. Mais on va faire bouffer d'abord. T'es gentil toi. Attends. Regarde, ok. Allez. C'est pas tout, on a popote à faire. Alors, tac, prendre. Viande vapeur, ouais, si tu veux prendre. Tomate vapeur, oui, bien sûr, monsieur, pourquoi pas. Cochon, ça. Allez. Ça va, tout ça parce qu'il y avait une sauterelle dedans, c'est de la viande, c'est dégueulasse. Ouais, ça va le faire. Pas beaucoup hein. On a chute libre. Hein. Y a un dragon qui passe pas loin là non? Ah non. J'ai vu que c'est un big dragon.
Loupé. Ah, faut que je me couvre plus que ça. Ah. Ouh, ça fait mal ça. T'as chaud? Yeah. Bon. Allons voir ce géoglyphe. Ok, ça parle à être par là, je pense que ça sera peut-être au niveau inférieur. Ah bah c'est là. Bon, cinématique. Ouais. Je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses, sire. Je les présente au nom des Gerudo pour avoir tant tardé à honorer vos multiples invitations. Je vous l'assure. Mon peuple n'a pas de plus grand désir que de prendre sa place dans le royaume, sous la protection de la couronne. Voilà qui me ravit, Ganondorf. La couronne accepte ton serment d'allégeance au royaume d'Hyrule. Le peuple Gerudo ne voit naître un enfant mâle qu'une fois tous les 100 ans, je crois. Hyrule ouvre ses portes à un être exceptionnel, roi de son peuple par sa naissance. C'est un honneur. Et un soulagement. Sire, tout l'honneur est pour moi. À l'époque où les Sonao sont descendus de leur céleste habitat, il y a bien longtemps, ils étaient des dieux aux yeux des habitants de la Terre. Que le descendant de ces êtres divins ait pris femme en Hyrule et occupe le trône qu'il a lui-même érigé. C'est Barrette. Votre lignée est prestigieuse, mais vous l'avez surpassée en audace, votre majesté. Je vous admire. Quelle tragédie en vérité, qu'en dépit de toute sa noblesse, le peuple Sonao est aujourd'hui disparu de notre monde. À l'exception de votre majesté et de sa sœur. Hyrule survivra, Ganondorf. Mon royaume est fort. Il s'épanouit chaque jour. La paix règne partout. Elle régnera encore après ma mort. Et pourquoi nous disparaissons, Sénat ? Nous te remercions de t'être présenté devant nous, Ganondorf. Tu accompliras de grandes choses. Tu peux prendre congé. Bien sûr. Votre Majesté. Je sais. Le cœur de cet homme est sombre, je le sens. L'ambition qui le dévore est sans limite. Et ce nom, Ganondorf, il me met mal à l'aise. Sa nature est mauvaise, cela ne m'a pas échappé. D'ailleurs, si je l'ai fait venir, c'est justement pour cette raison. Je ne peux pas le surveiller à distance. Mais, garde tes ennemis. Il est inutile de t'inquiéter.
Très bien, très bien. Bah, l'histoire elle est écrite quand même. Ils sont où là? Le prochain se trouve. Alors, le prochain se trouve un peu plus haut. Mais on va s'y diriger. Le prochain, il se trouve où? Ta 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 ta. Attends que je zoome. Il se trouve ici le prochain. Bon, on va se diriger là à côté. On va se faire celui-là puis on va s'arrêter là. Attends, enlever ça. Ok. À monter. Toujours éviter le maximum de téléportation. Hein. Mais alors ouais, Ganondorf il est tellement charismatique dans ce jeu. Le prochain se refait un peu d'endurance. Hein. Prochaine statue. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Pas très incliné tout ça. Ah, j'y arriverai pas. Je pense pas que j'y arrive. Allez, petite corniche. Petite corniche, je parle de toi. Ouais, tout est tout en bas. On va se faire une montgolfière là-bas. Ouais, ouais, mais c'est pour ça que j'ai. Combien j'ai de. Ah, il faut encore un sanctuaire. Et je peux me faire un peu d'endurance. On va voir si on n'en trouve pas à proximité. Déjà. On va voir si on peut. Alors. Merde, mais pas. Mais non. Et. Là. Allez, grimpe. Ah, tu vois, il faut aussi que je monte ma batterie. Pendant le dragon était là-haut. Hop, hop.
c'est là. Là, j'arrive à monter. Hop. Bah, tu me disais comment je... Comment j'augmente... comment ça s'appelle? Les batteries déjà? Sanctuaire là. Qu'est-ce que c'est que je vois là-haut? Pas qu'à faire qu'il traîne là-haut. Et je vois, hop. Là, ça va servir. Ah! Yaha! Est-ce que c'est la tour des piafs ça ou comment c'est? Est-ce que je l'ai trouvé celle-là de tour? Je pense pas hein. C'est pas l'entrée de chez les Yigas, ça, justement? J'avais dit que j'allais au géoglyphe, hein. Bon, les gars, on verra plus tard. Alors, relation déséquilibrée. Ok. Non. On va coller. Voilà. Ok.
Je sais pas. Ça marche, hein. Ça a fonctionné. C'est collé ça? Il veut pas s'accrocher, hein. Hop là. Voilà. Ouais. Et en fait, le jeu, il est vraiment pensé pour de la Switch et donc pour du nomade. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont gardé cette histoire de petits sanctuaires parcellés, parce que c'est une expérience de 10-20 minutes et qui pourrait correspondre à un trajet en métro. Je pense réellement que c'est ça. Hein. Même si je fais des sessions de 5 heures, moi. Ah. Allez, d'abord là. D'ailleurs, d'abord là. Allez, pousse. De foutre un suppositoire quand même. C'est bon, une. Il y a un caillou qui est tombé là-bas. T'en es où toi au niveau des cercles de... T'as combien de cœurs et à combien de... Combien d'endurance?
tombe là. Ok. Y'a pas un caillou qui tombe pas loin là? Voilà. Vite demander. X en PLS? Oh. 14-15 coeurs, ah ouais. On va aller faire... cette tour là. 502, ah ouais, dur. Qu'est-ce que c'est qui brille en bas là? Ah, c'est pas une arme dragon là? Ah non. Assigner les tours à la connaissance de ce point. Heureusement que les grottes nous avions choisi pour entreposer le matériel pendant les travaux, ils étaient à l'abri. Maintenant, temps de nous rendre le rapport. Ok. Attends, il y a une grotte là. Là-bas, il y a du matos. Journal, première page. Voici le journal de construction de la tour à 1501, page suivante. Premier jour, nous sommes arrivés sur le site. Ok. Ok, il y a du matos. On va voir si on en a besoin. Opérationnel ce tour. Elle est pas opérationnelle du tout, elle est enterrée. Ouais. Une jolie lumière là dans la grotte. Non, ça veut faire. Mais non. Allez.
Quoi? Sérieux? Alors... Ça va être content de savoir où elle est là. Je vais me noyer comme une merde. Voilà. Comme un gros caca. Alors, déjà on disait. Mais du coup, il va pas me lâcher son truc. Grand-pas serait pas mal là. Ok. Avec le sort qui colle les objets. Le sort qui colle les objets. Voyez. Ok. Ok. Oh là là. Oh, c'est cul. Bon, allez, géoglyphe. Je sors la suite du coup. Il est là. Et après, la prochaine fois, on ira sur les chez Ilia. Mais c'est bien parce que ça me rassure, toi qui as plus d'heures de jeu que moi sur le ce truc.
T'as pas encore trouvé en plusine, etc. Enfin. C'est une grande île toute ronde, ça. T'as vu d'autres choses, ouais. T'as beaucoup joué offline ou pas? Qui est rue 2 du Nord. Il y a un gros dragon là. On va pas l'emmerder lui. Eh bien, il y a un sanctuaire juste en bas. Un peu de verdure, c'est bien. Ouais. La pub, ok, attends, ah, merde. Hop, manger. Allez, remonte. Je te désingue. À distance. Coup de main, ça sert à rien, mais Jean-Michel là. Hein. Jean-Michel l'oiseau là. Alors. Allez. Je sais pas, je regarde un caillou, forcément je soulève. Hein. Ok, j'ai oublié de faire en dessous de ce truc là. Oh putain! Ah ouais, mais. Pas du tout joué en off, ok.
J'avais pas vu les pics. Le chemin empilé. Oh bah oui, en même temps. Pourquoi je m'emmerde ? Merde. Et je bigle. Attends. Peut-être passer au travers là. Pas loin. Bah oui. Ça m'arrive de pas être trop con. Et du coup, eux... Truc en bas là et marque le sol.
Bah, il y a la grille en plus. Un poil à gauche. Bon, allez, prochain live, on se monte l'endurance. Allez. On t'aidera plus tard. D'abord faire ça. Allez, grimpe. L'endurance, elle tombe vraiment comme famine. Hein. Elle neige comme... Elle fond comme neige au soleil. On va gagner un peu de temps. T'as vu, je pense au pouvoir maintenant. J'ai mis du temps, mais... Il était temps. Bah ouais, après 30 heures de jeu, c'est bon, c'est rentré. Ah, la voilà. Ah bah t'es, il y a un cerisier en face. Salut ma puce. Alors là, il y a un Korogu. Prends ça dans ta gueule. Alors, ah bah t'es, y'a Impa aussi qui est là. On va dire bonjour à Impa. J'ai un écho dans le jeu, comment ça? Attends, peut-être parce que... Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux? Ah merde, attends. Bon, mais attends, ça va parler. C'est pratique. Est-ce que tout va bien? Tu m'as l'air un peu distraite, non? Oh, pardonnez-moi. Je cherche toujours un moyen de retourner à mon époque. J'y réfléchis sans cesse. Si je maîtrisais le temps comme vous, si j'étais capable de le plier à ma volonté, j'aurais de bien meilleures chances d'y parvenir. Voyons voir. Allez, c'est simple. Clip. C'est comme si chaque objet avait des souvenirs qui lui sont propres. Demande-lui d'où il vient et comment il est arrivé où il est. Tu peux ensuite l'aider à rebrousser chemin. Oh. Des souvenirs dans un objet?
Ne t'en fais pas. Tu y arriveras très bien, j'en suis sûre. Et tu trouveras le moyen de rentrer chez toi. Mais pour ma part, j'ai comme l'impression que ce n'est pas la seule chose qui t'inquiète. Oh ! Tu souhaites regagner ton époque, bien évidemment. Mais tu ne supportes pas l'idée de nous abandonner à nos problèmes. Oh. Ai-je vu juste ? Mais comment ? Sache qu'il est impossible de cacher quoi que ce soit à Sonia. C'est très gentil de t'inquiéter pour nous, Zelda. Mais tu sais, on va mourir. Il y a des moments dans la vie où il faut d'abord penser à soi. Ton pouvoir est grand. Je ne parle pas que de celui du temps. Tu possèdes le pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal. Ils te serviront tous les deux à protéger le peuple de ton époque. Est-ce qu'on doit retrouver ces endroits-là avec le timbre ? Majesté. Et puis il faut que tu rentres. Ce pauvre Link doit être mort d'inquiétude à ton sujet. Link. Je ne crois pas connaître ce nom. C'est un chevalier de la garde royale. Mon chevalier servant en réalité, chargé d'assurer ma protection. C'est un héros. Il a protégé le royaume d'Hyrule, en plus de m'avoir sauvé la vie. Oh, un héros, dis-tu ? Il fait preuve d'une volonté extraordinaire. Et il ne recule jamais, quel que soit l'obstacle sur sa route. Jamais. C'est un grand chevalier. Il est aussi fort que son cœur est honnête. Tu sembles le tenir en haute estime, dis-moi. Tu entends comme Zelda parle de ce garçon ? Voilà qui me donne envie de faire sa connaissance. J'entends. Et je dois dire que je suis curieuse, moi aussi. Ce doit être un galant homme en plus d'un preux chevalier. Et il semble avoir fait forte impression sur notre Zelda. Très incal en masque au gardien. Bon. On a pas mal avancé. Pas mal avancé, donc on est et là, hop, ça je peux enlever. Le but c'est de retourner là, on avait dit, on allait faire, on va se téléporter. On allait faire les ligas la prochaine fois. Ça, hein. C'est pas là. C'est pas du tout, du tout là. C'est là. En plus, on ira se faire un peu de souterrain. Juste la plante, elle est juste à côté, normalement. Juste la racine. Ouais. Juste la racine. Juste là en plus. C'est beau ça. Oh, merde. Bim. Alors, qu'est-ce que c'est que je vois là? J'arrive. Tu arrives ? Ouais.
Il y a un truc là, il y a une structure. Bon, on saura ça pour le prochain live. Abîme de repère, il y a. Ok, bah écoutez, on va se faire ça. La prochaine fois, juste sauvegarder. Je vois qu'il y a pas mal de spectres à se faire. Bon, écoutez. Ça sera pour la prochaine fois. Sauvegarder. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Bah, je vous fais des gros bisous. On se retrouve dimanche matin. Puis d'ici là, amusez-vous bien. Passez une bonne nuit, les copains. Allez, ciao.